Gabriel Attal était l'invité de Pascal Pro ce vendredi 22 janvier. Le porte-parole du gouvernement a joué franc-jeu en expliquant qu'il avait été mis en garde par ses camarades, à propos de Knoun n'est pas une chaîne sur laquelle les membres du gouvernement aiment se rendre. Pourtant, ce vendredi 22 janvier, Gabriel Attal était l'invité de Pascal Pro, dans l'heure des pros. Le porte-parole du gouvernement a été légèrement chahuté par les chroniqueurs Yvan Rioufol du Figaro et Charlotte Dornella de Valeurs Actuelles au sujet de la crise sanitaire du coronavirus. Ils reprochaient les choix de l'exécutif et la gestion de la crise. Le compagnon de Stéphane Séjourné s'est défendu face aux attaques, si bien que Pascal Pro lui en a fait la remarque. C'est important d'expliquer, faire de la pédagogie. Vous allez dire à M. Véran de venir nous voir ? A lancé le journaliste à son invité un peu gêné. Chacun fait comme il veut. J'ai pu m'exprimer, je crois, pas autant que je l'aurais voulu, mais ça montre que c'est possible contrairement à ce que certains ont pu me dire, a admis Gabriel Attal, et d'ajouter, on m'a dit, tu vas être un taureau dans une corrida. Gabriel Attal dans l'heure des pros. Ce vendredi 22 janvier 2021, capture image, CNews Roselyne Bachelot et Olivier Véran Boud, CNews début janvier. Serge Nedjar, responsable de CNU, accordait une interview au JDD et il expliquait que le ministre de la Santé Olivier Véran ne donnait pas suite aux invitations de la chaîne. Il refuse ostensiblement de venir, avait-il regretté. Et de poursuivre, qu'un ministre ne veuille pas répondre sur la deuxième chaîne d'info du pays est incompréhensible. Il tourne le dos à des millions de téléspectateurs qui à ses yeux ne méritent sans doute pas d'être informés. Quelques jours plus tard, c'était au tour de Roselyne Bachelot d'admettre sur France Info qu'elle ne se rendrait pas sur CNU. J'ai toujours une réticence à aller chez des gens qui m'attaquent de cette façon, s'était-elle défendue. Crédit photo, capture image, nous let's block ADS.